Bonjour à vous. Toute l'équipe d'Hypothèse est ravie de vous retrouver pour cette quatrième session de l'année. Tout d'abord, on voulait vous souhaiter une excellente année 2021. We would like to thank all those who participated in this adaptation of Hypothèse, our partners, and finally all those who follow us. Juste une petite précision avant de commencer. Cette discussion va être enregistrée est mise en ligne sur le site d'Hypothèse, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions par rapport à ça. Ah, et aussi, avant de débuter, nous aimerions commencer par reconnaître que Jujage, soit Montréal, est situé en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. So we recognize the Ganangahaga Nation as the guardians of the land and waters that we are gathering on today. Jujage is historically known as a gathering place for many First Nations, and today a diverse Indigenous population as well as other peoples reside here. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Alors, cette session sera divisée en deux parties. Tout d'abord, deux conférences, puis un temps de discussion. Nous laissons maintenant la parole à la présidente de cette séance, Geneviève Chevalier. Merci beaucoup, Aurélie. Tout d'abord, bien bonjour à tout le monde. J'aimerais remercier l'équipe d'Hypothèse pour la charmante invitation. Donc, je suis très, très heureuse d'être ici avec vous ce soir. Donc, cette quatrième édition de la saison 2020-2021 pour titre « Enjeux institutionnels, art et justice climatique ». Donc, deux étudiantes de maîtrise y participent. Anna Brunette, qui est étudiante en histoire de l'art à l'Université du Québec à Montréal, et Patricia Perez-Rabello, étudiante en histoire de l'art à l'Université Concordia. So, good evening to all of you. So first, I would like to start by thanking the team of Hypothèse for their invitation. I'm really happy to be with you tonight. So this fourth edition of the 2020-21 season is entitled Institutional Issues, Art and Climate Justice. So two master's students are participating tonight. Anna Brunette, art history student at the Université du Québec à Montréal, and Patricia Perez-Rabello, art history student at Concordia University. Alors, nous allons débuter la soirée sans plus tarder avec la présentation d'Anna Brunette. Donc, les recherches d'Anna portent sur les stratégies de mobilisation environnementale en art actuel, dans le contexte de son parcours dans le champ de la muséologie, de la médiation culturelle et des arts visuels. Elle a réalisé un séjour d'études à l'Université Sorbonne-Nouvelle. Elle a effectué un stage au Musée d'art contemporain de Montréal, travaillé à la Galerie de l'UQAM et elle a aussi été boursière du CRSH. Et elle a également fait paraître des textes dans les revues Espace Art Actuel et S Art et Opinion. So we begin our panel with Anna Brunette's presentation. Anna's research focuses on environmental mobilization strategies in contemporary art. In the context of her career in the field of museology, cultural mediation, and visual arts, she studied at the Université Sorbonne-Nouvelle, completed an internship at the Musée d'Art Contemporain de Montréal, worked at the Galerie de l'UQAM, and received a Shirk Scholarship. She has published texts in the magazines Espace Art Actuel and S Art and Opinion. Alors, Anna, à toi la parole. Donc, encore une fois, bonjour tout le monde, merci d'être là. Je suis étudiante à la maîtrise en histoire de l'art, comme Geneviève vient de le dire, et je commence la rédaction d'un mémoire qui, pour l'instant, s'intitule « Vers une esthétique de l'urgence climatique, stratégie de mobilisation environnementale en art actuel ». Ce soir, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble aux particularités de ce qu'on pourrait appeler une esthétique de l'urgence climatique, et ce, à partir de ce court énoncé de l'artiste norvégienne Tarif Fastvold, qui va comme suit. « Science has a communication problem that art can solve ». Ma présentation aura deux parties. Dans un premier temps, je tenterai de répondre à la question « pourquoi », c'est-à-dire « qu'est-ce qui nous mène à cette hypothèse ». Puis dans un second temps, j'analyserai comment cette idée peut s'articuler à travers différentes stratégies. Il n'est plus à démontrer pourquoi il est urgent d'agir en regard du réchauffement planétaire. Tentons plutôt ici de s'interroger pourquoi l'apport de l'art est essentiel à la réflexion. Selon le directeur du Yale Program on Climate Change Communication, la science est claire. La menace du réchauffement planétaire exige des changements à grande échelle rapidement. Heureusement,
ce ne sont pas les solutions qui manquent, allant des innovations technologiques aux politiques gouvernementales. Ce qui manque, c'est la demande du public pour ces solutions et la volonté politique de les mettre en œuvre. L'urgence climatique ne constituera pas une priorité politique tant qu'il n'y aura pas une forte demande de la population pour ces mesures. Même son cloche du côté du psychologue du climat Per Espen Stoknes, qui dans son livre « What we think about when we try not to think about climate change toward a new psychology of climate action » écrit « The lack of effective climate response is due not to a lack of facts or technology or policy solutions, but to softer psychological reasons. » La part technologique de la transition s'annonce la plus simple. Nous avons les solutions dont nous avons besoin pour répondre au changement climatique. Mais la volonté publique et politique fait défaut. Année après année, la science portant sur les changements climatiques est de plus en plus solidement documentée et inquiétante. Malgré tout, la plupart des gens ne croient pas ou n'agissent pas en fonction de ces faits. Ce qu'ils qualifient de paradoxe de la psychologie du climat, celui qui lie notre conscientisation croissante à notre inaction, reposerait essentiellement sur un problème de communication. Il explique. Ceux qui tentent de motiver l'action en transmettant des faits alarmants ont le plus souvent échoué sans s'en rendre compte. Nos solutions habituelles font partie du problème. Les solutions proposées par de nombreuses organisations environnementales font désormais partie du problème. Très évident dans la plupart des tentatives de communication de la science est d'essayer autre chose et de faire plus de ce qui fonctionne. Use the power of social networks and norms. Make taking action simpler and more convenient. Frame the climate issues in more supportive metaphors that are, and make better use of storytelling. L'historien des sciences spécialisées a étudié le rôle essentiel des images dans l'histoire environnementale comme outil de visualisation, métaphore et symbole, notamment dans son livre « La Terre vue d'en haut, l'invention de l'environnement ». Il soutient que les images environnementales globales forment la base historielle des processus planétaires qui gouvernent l'anthropocène à des échelles très diverses, à notre interprétation et à notre compréhension aussi bien des changements du système Terre que des conséquences que l'on associe étroitement au changement climatique global. En tant que vraie médiatrice entre des processus globaux et des de nouvelles interrogations sur les images environnementales globales conduisent à une discussion hautement productive de la société, la politique et la nature. La notion d'environnement global n'est pas sans évoquer l'idée d'hyper-objet développé pour désigner l'environnement global, mais à toute chose massivement répartie dans le temps et l'espace par rapport aux humains. Pour le philosophe, le plus dramatique d'hyper-objet, à savoir densité des dimensions temporelles et spatiales si disproportionnées à nos habitudes de perception que nos cadres de pensée et de compréhension s'en trouvent déjoués. Les hyper-objets ont un impact sur en compte l'inséparé. Il s'agit d'un formidable outil de compréhension et de réflexion qui permet de porter un regard nouveau sur, par exemple, les nombreuses ressurgences d'un sublime en art écologique, notamment par l'emploi de stratégies visuelles comme la densité suffocante dénonçant le man-made sublime et les dérives de la surconsommation. Morton souligne que le problème avec les hyper-objets, tels que le réchauffement planétaire, n'est pas que nous ne pouvons pas nous les imaginer. Le problème, c'est justement que nous pouvons nous les imaginer et qu'en les imaginant, notre capacité à visualiser s'active et pour toutes sortes de raisons nous dérange, malgré le fait que c'est ce qui nous rend tout à fait spéciaux en tant qu'êtres humains. Un commentaire qui rejoint la dissonance cognitive décrite par Stoknes. Or, l'art, en plus de lier le puissant pouvoir mobilisateur des récits pointés par Stoknes et le rôle clé des métaphores en science dont parle Grevesmule, l'art a aussi, selon Santiago Zabala, le potentiel unique de nous plonger dans l'urgence, ce, dans un monde gouverné par l'absence entretenu de toute urgence fondamentale. Dans son ouvrage « Why Only Art Can Save Us », le philosophe soulève que malgré la saturation de soi-disant événements et nouvelles dans les médias, l'impression dominante demeure celle que rien ne se passe. La réalité est fixe, stable, sécuritaire. C'est dans ces conditions que l'absence de sentiment d'urgence s'installe, lorsque tout est pris pour acquis et que sans interrogation préalable, il était décidé de qui nous sommes et de ce que nous devons faire. Il avance qu'une nouvelle esthétique basée sur l'urgence est déterminante pour nous sortir de notre tendance à faire fi des paradoxes sociaux, de notre tendance à ne pas considérer les récits d'événements invisibles, ignorés ou niés, ou encore de notre tendance à rejeter les appels environnementaux liés au réchauffement climatique, à la pollution des océans et à la déforestation.
Ces tendances sont générées par les cadres politiques, financiers et technologiques qui nous contiennent, cadres vis-à-vis desquels les artistes n'agissent pas à l'intérieur, mais en marge. Dans l'esthétique de l'urgence, la contemplation et la beauté sont remplacées par l'interprétation et l'intervention, ainsi qu'une invitation à prendre position. En ce sens, l'auteur crée une nette distinction entre les œuvres qui nous sauvent de l'urgence versus dans l'urgence, ou en d'autres mots, les œuvres qui dissimulent ou nous détournent de l'urgence versus celles qui nous précipitent, nous plongent dans les urgences essentielles afin que nous puissions commencer à les prendre au sérieux. Zabala explique que, comme l'impressionnisme en réponse à l'industrialisation et comme le dadaïsme en réponse à la Première Guerre, l'esthétique de l'urgence crée les conditions qui nous permettent de répondre à l'appel existentiel de l'art au 21e siècle. Il émet également l'hypothèse qu'un tournant axé sur l'urgence, ou en anglais « emergency turn », en art actuel, pourrait possiblement succéder au tournant social amorcé dans les années 90 et marqué notamment par l'apparition d'œuvres relationnelles et participatives dans lesquelles l'artiste et le spectateur sont devenus coproducteurs de situations sociales, en précisant que l'esthétique de l'urgence, en plus de reconfigurer la relation entre ses participants, perturbe et transforme cette relation en une action nouvelle grâce aux dangers révélés par ses interventions. Comme le dit l'artiste Alfred Ojard, « Art can teach people to see. It can offer a way to get back to the essential. » À noter qu'il ne dit pas que l'art nous montre comment voir, mais bien « avoir », point. De son côté, l'historien Abbas Milani soulève que l'art nous défamiliarise avec la réalité, nous fait reconnaître la complexité de ce que nous croyons comprendre et simplifie ce que nous trouvions compliqué. Cette défamiliarisation au cœur de l'esthétique de l'urgence climatique souligne la nécessaire réinitialisation de nos cadres de pensée sans égard à ceux qui nous contiennent. Il est permis dès lors de se poser les questions. Comment agirions-nous si nous entendions parler des changements climatiques et de leurs conséquences pour la toute première fois? Comment écarter la banalisation à présent inhérente à la question environnementale? Comment vider notre finite pool of worry saturé depuis trop longtemps déjà? L'idée d'un reset a notamment été explorée dans l'exposition, le symposium et l'ouvrage du projet Reset Modernity, dirigé par le sociologue Bruno Latour, qui pose la question initiale suivante. Devant la déconnexion entre modernité et crise écologique, faut-il réinitialiser le système d'exploitation de la modernité? Puis, dans le livret d'exposition, on peut lire « La modernité a eu tant de significations et combine tellement d'ensembles contradictoires, d'attitudes et de valeurs qu'il est devenu impossible de l'utiliser pour définir l'avenir. Elle plante comme un ordinateur surchargé. D'où l'idée que la modernité pourrait avoir besoin d'une sorte de réinitialisation. Pas une rupture nette, pas une table rase, mais plutôt un redémarrage des programmes compliqués qui se sont accumulés dans ce qu'on appelle souvent le projet moderniste. Cette réinitialisation est devenue d'autant plus urgente que la mutation écologique nous oblige à nous réorienter vers une expérience du monde matériel pour laquelle nous ne semblons pas disposer des bons appareils d'enregistrement. » Un discours commissariel similaire est employé pour introduire l'exposition Hyper Objects, co-commissariée par Timothy Martin et Laura Copland. L'exposition invite le public à prendre conscience des impacts du dérèglement climatique en créant des rencontres avec des œuvres d'art et des objets non artistiques qui tentent de décentrer et élargir l'échelle de la perception humaine, modifier nos cartes de référence et lancer une mise à niveau ontologique. Les commissaires soutiennent que, pour résoudre ces problèmes, nous devons mettre à jour nos notions relatives à l'art et au monde. Il faut voir les choses différemment pour voir des solutions aux grands problèmes auxquels nous sommes confrontés. Il est courant de lire que, parmi les discours sur les changements climatiques, les représentations misant sur la peur et une imagerie catastrophique ou choquante sont à proscrire en raison de leur tendance à développer chez le public un sentiment d'impuissance et de découragement. Stockness, qui est de cet avis, affirme pourtant que ce ne sont pas les scientifiques qui sont alarmistes, c'est la science elle-même qui est alarmante. Greta Thunberg, qui l'a bien compris, nous dit « Our house is on fire. I want you to panic. » À son énoncé, on pourrait ajouter celui de Gunther Anders, « Le toit qui s'effondre est devenu notre toit à tous. » Gunther Anders
militant pacifiste et antinucléaire, auteur, entre autres, du livre « L'obsolescence de l'homme sur l'homme à l'époque de la deuxième révolution industrielle » paru en 1956, a compris très tôt notre capacité à se représenter les conséquences directes de nos actions. Pour pouvoir se figurer de telles conséquences, il souligne la nécessité de trouver un langage dans lequel puisse s'exprimer l'alerte, un langage non spécifique que tous peuvent comprendre. En ce sens, il développe l'idée d'une éthique de la peur qui ne trouve son ancrage expressif que dans une esthétique de l'exagération, de l'abus et du dépassement et dont la fonction est d'éveiller les consciences. Nous avons un devoir d'angoisse, ayons le courage d'avoir peur. C'est également ce qu'explique Zabala au sujet de l'esthétique de l'urgence. Au lieu de rassurer, l'art doit être profondément troublant et dérangeant. L'art qui compte vraiment engendre plutôt qu'il ne supprime l'anxiété. Timothy Morton, de son côté, par son écologie sombre, nullement nihiliste, reconnaît que ces prises de conscience ont quelque chose de terrifiant et de déprimant, mais soutient que la perte et la douleur font partie intégrante du processus de la pensée écologique. Être réaliste est toujours rafraîchissant. La dépression est la manière la plus exacte d'expérimenter le désastre écologique actuel. C'est mieux que de se bercer d'illusions. Toutefois, il ne faut pas céder à la résignation, mais plutôt être animé par une sorte de pessimisme actif, essayer de conjuguer le pessimisme de la raison avec l'optimisme de la volonté, comme le disaient Romain Rolland et Antonio Gramsci. À cet effet, Stockness écrit que l'optimisme et le pessimisme sont des outils à employer en parallèle, comme l'œil gauche et l'œil droit. Ce n'est pas un ou l'autre, mais les deux à la fois. Puis, comme Morton, il fait remarquer que, we don't need to believe that things will end well in order to act. The walking and the doing are their own reward. On retrouve cette vision nuancée de l'espoir dans une exposition comme Dark Optimism, présentée au MoMA PS1 en 2013, dont le titre exprime le sentiment d'être au bord du gouffre, tempéré par l'espoir de l'innovation technologique, et dont les œuvres de 35 artistes cherchent à concilier l'échec des idéaux du modernisme et la capacité de l'humanité à améliorer son avenir. Le co-commissaire Klaus Biesenbach explique qu'après l'ouragan Sandy, qui à la fin 2012 a ravagé le littoral new-yorkais, ruiné de nombreuses infrastructures et laissé une part de la population en situation de grande précarité, les préoccupations environnementales de l'exposition sont devenues plus urgentes. Selon lui, à une époque où le climat est absent de l'agenda politique, l'art peut toucher et perturber d'une manière que les graphiques et les articles ne peuvent pas. Mais maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc, une première étape pour les institutions serait de déclarer l'urgence climatique. Les musées d'art peuvent s'inspirer des musées d'histoire naturelle, de sciences et de technologie qui, à ce niveau, ont une longueur d'avance. C'est le cas, par exemple, du Musée d'histoire naturelle de Londres, qui, en plus de déclarer l'urgence planétaire, a partagé un plan stratégique à long terme en ce sens. Alors que la définition de ce qu'est un musée par l'ICOM, le Conseil international des musées, n'a pratiquement pas changé depuis les années 70, des débats émergent d'ailleurs sur la nécessité de réviser à la fois la définition et le rôle des musées, en particulier en ce qui a trait à leur engagement social et environnemental. Or, comme le décrivent Mali Wu et Francesco Manacorda, commissaires de la Biennale de Taipei 2018-2019 intitulée Post-Nature, l'idée d'un musée en tant qu'écosystème peut être déconstruite en trois niveaux clés. À sa base, le musée est un bâtiment qui peut optimiser son utilisation de l'énergie et gérer sa relation aux enjeux environnementaux immédiats. C'est aussi un acteur social qui peut s'engager et s'intégrer dans sa communauté et sa culture locale. Puis, à l'échelle mondiale, le musée peut œuvrer pour promouvoir l'interdépendance et la collaboration entre des domaines et des institutions divergentes. C'est ce qui nous amène à aborder, bien sûr, la collaboration entre art et science. En lisant Timothy Morton, on comprend que pensée écologique a autant à voir avec les sciences humaines qu'avec les sciences dures, a autant à voir avec l'art, la culture, la philosophie ou la psychologie. Au fond, l'écologie parle de coexistence. Les scientifiques ont besoin d'alliés et nul besoin d'être un expert pour joindre la conversation sur le climat. De toute manière, comme le disait Carl Sagan, la science est une chose trop importante pour être laissée entre les mains des seuls savants. Cette vision corrobore d'ailleurs les recherches en sciences sociales qui indiquent que toute action effective passe par la réunion du cognitif et de l'affectif. Même message de la part de Zabala qui écrit « Les urgences fondamentales concernent plus que les aspects appartenant au domaine ontique de la connaissance. » Elles impliquent aussi les sens et les sentiments,
c'est-à-dire l'existence. De nombreux groupes, fondations, associations et plateformes travaillent en ce sens à tisser des liens entre acteurs de la scène culturelle et scientifique. À l'occasion de l'exposition Weather Report, Art and Climate Change, commissariée par Lucy Lipper en 2007, l'organisme EcoArts Connection a ainsi réuni des dizaines d'artistes avec biologistes, géologues, hydrologues et glaciologues de la région de Boulder au Colorado dans l'élaboration d'œuvres collaboratives sur les changements climatiques. Autre exemple, le projet Unfold et Cultural Response to Climate Change, présenté notamment à Pékin en 2013, exposait les œuvres de 25 artistes internationaux résultant de leur participation dans des expéditions en Haut-Arctique et aux Andes organisées par la fondation Cape Farewell. Comme le pointe Zabala, art is knowledge, and experiencing an artwork means sharing that knowledge. C'est pourquoi il importe que les urgences révélées par les œuvres soient décrites, examinées et adressées à travers différents modes expositionnels et autres. Un exemple de programmation particulièrement riche et diversifiée est celle du Anthropocene Project, organisé en 2013-2014 par la Haus der Kultur in der Welt à Berlin, en collaboration avec l'Institut Max Planck, le Deutsches Museum et le Rachel Carson Center. Consistant en une programmation culturelle de 2 ans positionnant l'Anthropocène comme nouveau cadre de réflexion et de pratique. La programmation incluait notamment des expositions, publications, films, ateliers, conférences et autres événements, en plus d'initier des projets pérennes comme la plateforme évolutive Anthropocene Curriculum. Pour leur part, le collectif formé par le photographe canadien Edward Bertinsky, Jennifer Bashful et Nicolas Depensier ont collaboré avec la Société géographique royale du Canada pour transposer et adapter leur vaste projet d'exposition et de films anthropocènes en un programme d'éducation bilingue et gratuit permettant aux enseignants du primaire et du secondaire d'explorer en classe les enjeux écologiques liés au plastique. Considérant que les musées et les galeries sont malgré tout souvent des chambres d'écho vis-à-vis les publics les plus conscientisés aux urgences environnementales, il est important que l'art de l'urgence climatique se déploie également en dehors des murs des institutions artistiques pour investir l'espace public et ses événements, optimisant ainsi son accessibilité et sa visibilité et s'immisçant dans nos quotidiens de manière imprévue. C'est le cas de la gigantesque horloge de Union Square à Manhattan, qui depuis cet automne n'indique plus l'heure qu'il est, mais le temps qu'il nous reste avant que les bouleversements climatiques ne deviennent irréversibles et hors de contrôle, soit une fenêtre d'action particulièrement réduite estimée à environ 7 ans. L'idée de la transformer en climate clock provient des artistes Gan Gollin et Andrew Boyd qui soulignent que la planète compte littéralement sur nous. Avec Icewatch London, présenté notamment en 2018 à l'occasion de la COP24 et du 3e anniversaire de l'accord de Paris, l'artiste Olafur Eliasson propose un autre type d'horloge constitué de blocs de glace directement issus du Groenland avec lesquels le public est invité à faire l'expérience sensible pendant qu'il en est encore temps. Disposées par les spectateurs, les centaines de petites figurines de glace constituant les installations Minimum Monument de Nelly Azevedo forment quant à elles des foules silencieuses et éphémères qui évoquent à la fois notre inaction et notre vulnérabilité en regard de la crise climatique. Dans le cadre du projet Climate Signals, l'artiste Justin Brice Guariglia a collaboré avec le Climate Museum de New York pour installer à travers la ville des panneaux de signalisation routiers, suscitant le dialogue et favorisant ainsi la compréhension des changements climatiques, de leurs impacts et de leur intersection avec d'autres défis. Enfin, hors COP21, organisé en marge de la Conférence des Nations Unies sur le climat à Paris, le festival Public Art Ecology tenu à Delhi, puis le projet The Work of Wind, qui a transformé une zone industrielle de Mississauga en exposition site spécifique, sont pour leur part des exemples de manifestations d'art public de grande ampleur articulées autour de l'urgence climatique. Donc, en conclusion, j'espère que ces quelques pistes de réflexion auront permis d'éclairer l'hypothèse de départ émise par Talifas Vogue en début de présentation, que l'on pourrait à présent nuancer et préciser ainsi. L'esthétique de l'urgence climatique constitue une alternative optimale pour surmonter le paradoxe de la psychologie du climat, ce, par son potentiel unique à révéler l'absence d'urgence fondamentale qui dissimule les alarmes environnementales et à saisir la complexité de l'hyperobjet des changements climatiques. À présent que
comme l'écrit Malcolm Miles, les changements climatiques constituent la trame narrative conditionnant toute œuvre contemporaine. Le défi est grand et on serait tenté de dire, comme Lucy Lippard, « Do something that is visually striking, socially radical, conceptually and contextually sensitive, sustainable in the public domain outside of art venues and hurts no living thing. Something that will change the world. Good luck. » D'ici là, ses vœux pour la nouvelle année et décennie qui s'amorce. Plus d'art de l'urgence climatique dans l'espace public, en particulier en marge d'événements politiques. Plus de musées d'art qui déclarent l'urgence climatique et qui prennent des engagements en conséquence. Plus de musées avec un mandat consacré à la crise climatique, comme le Climate Museum à New York, voire un premier musée d'art consacré à l'environnement. Si vous en connaissez un, je vous invite à m'en faire part. Puis je terminerai en nous invitant à méditer sur cette note de Mark Taylor, « The hour is late, so late that perhaps only an artist can save us now. » Merci énormément, Anna, pour ta présentation vraiment foisonnante. Je prendrai peut-être la liberté de mentionner la Fondation Grand Âme pour l'art et l'environnement, qui n'est pas un musée, mais qui est enfin un organisme là, qui a quand même choisi d'adopter cette mission-là un peu dont tu nous parles. On va poursuivre. Tout de suite, on va garder les questions pour Anna pour la deuxième partie de la présentation. So, without further ado, let's continue with the presentation of Patricia Perez Rabello. So, born in Villa Hermosa, Mexico, Patricia moved to Winnipeg, Canada, where she earned a Bachelor of Art History from the University of Manitoba. She began her master's degree in art history in 2019 at Concordia University in Montreal, where she will stay on to begin a PhD in the same field in the fall. So her research focuses on the role that plants and materials play in the creation of networks, spaces, and invisible national identity. Donc, sans plus tarder, nous poursuivons avec la présentation de Patricia Perez Rabello. Donc, née à Villa Hermosa au Mexique, Patricia s'est installée à Winnipeg au Canada, où elle a obtenu un baccalauréat en histoire de l'art à l'Université du Manitoba. Elle a commencé sa maîtrise en histoire de l'art en 2019 à l'Université Concordia à Montréal, où elle restera pour entamer un doctorat dans le même domaine à l'automne. Ses recherches portent sur le rôle que jouent les plantes et les matériaux dans la création de réseaux, d'espaces et d'identités nationales invisibles. So, Patricia? Thanks, Geneviève, for the introduction and Free Botes for hosting me and Anna. And for those of you who made the time into joining us as well, thanks for being here. So, Invisible Networks is the title of my presentation, Why Relatives and the Global Seed Vault. I'll be looking at this film by Jumana Mana of 2018. Why Relatives is the fourth installment in Jumana Mana's trajectory. It's a film that moves across landscapes to focus on the implications of archiving and distributing seeds in places affected by human or natural causes. The camera first takes us below ground level inside the tunnel of a mine to then be taken above in the middle of a field filled with green plants swaying slowly under the bright sun. This rapid change of scenery disconcerts the viewer, and we are unable to map our location as these are places without distinct markers that are unified by the soil and seeds. Mana's handling of the camera grounds us to the soil where we remain for the rest of the film, whether it be dip below it or on its surface. The retaining us on this level tethers us to the soil, which holds everything and everyone together. I will focus on Mana's ability to work with the soil and how this attention to it underscores how seeds are mobilized by institutions and governments for humanitarian ends. Why Relatives works on three registers, the local, the regional, and the global, to navigate the tensions that arise from two distinct methods of doing agriculture, the organic and traditional way and the industrial technological one. Jumana Mana is a Palestinian American artist and filmmaker whose work examines how power is deployed in relationships and focuses on materialities linked to narratives of nationalism and place. Why Relatives travels across Aleppo, Syria, Bekaa Valley, Lebanon, Svalbard, Norway, to untangle networks between war,
capitalism, and the use of technology to alter the genetic material of seeds in order to create crops that yield more in less time, as we are in a race against the crop's natural deterioration and lack of variety that is exacerbated due to climate change. Although this seems to be a responsible and even benevolent claim to make, if taken into consideration the impacts that climate change is having on various ecosystems and societies, it is worth pausing to think through a little of what this entails in terms of capitalizing, sustaining, and modifying natural resources. The film, as I mentioned, is 64 minutes long. It was filmed for around 12 months between regions. And I believe that one of the strengths of Wild Relatives is that Mana narrows in on a seed that forms part of the life of various actors in the film. And their role are as divergent as their location. So we see here a priest and a scientist in Svalbard that are talking about the end of the world. A father and his son, Yusef, who are farmers and are struggling to keep their livelihood afloat. Yusef is also a transporter for Ikarda, Syrian refugee women and girls who are primarily the ones who plant the seeds and work in the fields. And Walid, another Syrian refugee who created a network between farmers that uses organic and traditional techniques. Through the seed, we are able to see the place where these are kept, how they're worked on, and how they're planted. The color scheme of a film is a neutral palette with bright touches of color in the clothing of the people in the film and the vibrant sheens of certain crops and seeds. It moves around arid and frigid locations that are sometimes clouded by dust and which are surrounded by mountains, growing themselves inside of mountains like the global seed vault. When we are indoors, these spaces are filled with co-lighting as in the laboratories, but when we are inside of people's homes or on the fields, the light is natural, which contrasts heavily with the inside of the vault, which is pretty dark. The film captures all modes of cultivating the soil and the loss of ancient seeds that no longer exist, and the tension that arises through changing modes of production, with technology and imports challenging the slower pace in which farmers traditionally working in order to create crops that grow faster and yield larger quantities. This is an Ikarda scientist talking about GMOs and how they are able to produce these crops faster. It also, the film tries to be as neutral or ambivalent as possible about the conditions in which the seeds were removed from the global seed vault to be transported to Ikarda in Lebanon. But it fails at sedimenting the importance of these seed banks in the region's sustenance to better address the differences in how they cultivate the seeds. But as Maria Yazbek, Ikarda's director, and her collaborators explain, quote, "The situation in Syria illustrates well the inextricable but complex links between climate change, food security, and sociopolitical stability in fragile states," end quote. The farmers working within these local communities utilize organic methods to fertilize plants, create new variations that adapt readily to the soil in which they're in, and they forge new networks with their neighbors and in their communities where they share seeds, tips, techniques, etc. The scientists in Ikarda work on a regional scale, and they conduct research on how to create genetically modified crops to again create a higher yield in less time that they later on sell to farmers, while the global seed vault preserves various types of seeds for societies worldwide as an insurance policy against climate change. This is a picture here of Svalbard. I will later explain how it's built, etc., but it's just a nice setting. Much of the film focuses on local farmers in Lebanon like Yusef, his dad, and Walid, but also on the women and girls who work in these fields. And it is less focused on the global seed vaults and Ikarda themselves to really focus our attention on these other actors, the farmers and the women and girls who work them. What we're left with is a portrait that highlights the differences between organic and traditional, industrial and technological, more than trying to point out
the shortcomings and benefits of one method over the other. The creation of seed banks began in early 20th century Russia with Nikolai Vavilov, and it became more common around the 1980s. Manna narrates that these were created after, quote, the so-called Green Revolution. This movement, which brought about agricultural production to an industrial scale, believed it could end world hunger and in the process fight communism, making high-yielding seeds, irrigation techniques, and chemical inputs a global standard, end quote. While Relatives focuses on ICARDA, the international research in the dry areas, founded in 1976 in Lebanon, and the Global Seed Vault, founded in 2008 in Svalbard, Norway. Shortly after ICARDA's inauguration, the facility had to be moved to Aleppo, Syria, due to the Lebanese Civil War of 1977, and in 2011, and returned to Bekaa Valley, Lebanon, after the Syrian Revolution started under the direction of Bashar al-Assad. This is ICARDA's facility in Bekaa Valley. Therefore, Lebanon acts as a meeting point for the entanglement of these two far removed sites, Norway and Syria. ICARDA's facility in Aleppo was forced into exile, and they became the first organization in 2015 to request the duplicate of their seeds in the collection in Svalbard in order to replicate this collection in Lebanon and Morocco, whose climates were similar to Syria's. But as Yazbek points out, quote, the shipments to Svalbard were timed accordingly to the security situation in Aleppo, and NorGen organized extraordinary openings of the sea vault to accommodate this. The last deposit was sent from Aleppo in 2014, end quote. So here is a diagram that clearly illustrates the circulation of seeds throughout this year. So in 2012, Syria sends away to two different sites of ICARDA, to Lebanon and Morocco, some seeds in 2020, and then to Svalbard it sends in 2014, sends all of these accessions, then they return from Morocco and Lebanon to Svalbard. It's also, yeah, a process that, according to ICARDA scientists, will take around 2030 to complete the total regeneration of these seeds. And Manna continues to mention that this center, ICARDA, works primarily on the genetic improvement of crops. What this makes evident is the double edge that centers such as these represent, as they are born out of what seems a necessity at this point in order to preserve crops for future consumption and sustenance, but in doing so, it jeopardizes the livelihood of farmers locally. The Global Seed Vault, known as the Doomsday Vault, was created in 2008 to safeguard the diversity of various crops worldwide in the case of catastrophic events that risked humanity's livelihood, such as climate change. It acts as an insurance policy. The seed pool provides appropriate infrastructure for countries who wish to safeguard their crops at an undisclosed cost that is asked of governments or research centers upon the removal of the seeds, who will then have to pay for the handling and shipment of these seeds unless they have other sources of funding. Once the seeds are safely guarded in the Global Seed Vault, there aren't any fees to be paid, as this is financed by the Norwegian and other international governments, as well as private investors, which makes this a very attractive and protective measure against natural or man-made disasters. The seed vault is administered and owned by the Ministry of Agriculture and Food of the Kingdom of Norway, currently run by Ola Bolstad, while the Nordic Genetic Research Center, NorGen, operates the facility and updates the public's database where visitors can see the seed collection. Currently, they state that they don't take GMOs. However, they don't say that they won't ever take them in. The facility's location is in the remote Svalbard archipelago in northern Norway, and it is built inside a mountain that once held a coal mine. Its infrastructure is very strong. It has robust steel walls, and
it helps maintain the freezing temperatures of minus 18 Celsius so that the seeds don't perish. But because of its location and construction, in the event that the cooling systems were to fail, the permafrost of Svalbard can keep the seeds frozen for weeks without any problem. I don't know, in the event of it becoming months that the cooling systems were down, I don't know how long they can keep them under those circumstances. Given the low temperatures, there is little to no metabolic change in the genetic material of the seeds. But this is something that I will be returning to, as it's one of the key differences that are explored in wild relatives. But before we get into that, I wanted to look at the policies around the removal of seeds and part of the agreement that is signed between both parties. So in 2016, shortly after Ricarda returned the remainder of the seeds back to the Global Seed Vault, lawyer Ciara Ryan investigated the Seed Vault's depositor agreement and proposed some amendments to it. The first amendment would be to discourage depositors from withdrawing large amounts of their own collection in the Seed Vault, so that the goal of having a strong enough collection in the event of global collapse via climate change can be achieved sooner rather than later. While the second one would be for depositors to forfeit property rights and deposit them as, quote, gifts for humankind. This would mean that, say, anybody who wanted to withdraw CDS collection could do so, even if the country that was making the request was Canada, for example. Ryan's proposed amendment in section 3.3 of the withdrawal deposited material reads as follows, quote, one, in the event of a natural disaster, the depositor shall request up to 50% of each variety of seeds deposited into Svalbard. Two, the ministry shall investigate what caused the states need to withdraw seeds. And three, the ministry shall determine if the state or institution has the resources, security, and means to receive a return of the deposited materials, end quote. These all, as you can see, hand much more authority over to the ministry as opposed to the states, which could potentially lead to certain problems, such as removing that state's agency when they are facing man-made or naturally caused catastrophes. And given that the research center was purposely targeted and it lost most of their own collection, they were faced with asking for part of their seed collection back in order to restart and regenerate their original collection, and for farmers to later on use those seeds. So it was detrimental for the betterment of the state to get those seeds in time. And I believe that making such amendments could hamper on the ability to create a, you know, fast moving process. So in this scene of wild relatives that starts at minute 21, we can see this tension, a sense of tension when the scientists of Ricarda returns those seeds. And they mentioned that a Global Seed Vault member mentions that they let Ricarda have the seeds as Syria was under siege by its own government. And that it was because of this, that they, the gravity of this event, that they allowed Ricarda to retrieve those seeds. In the same scene, an Ricarda scientist mentions that the cost of the to and fro of the seeds was funded by the Crop Diversity Endowment Fund, which endows in which secures in perpetuity the funds to preserve some of the most important crops worldwide. As this makes evident in the case that a country is faced with great challenges and financial stressors, the Global Seed Vault has partners who offer funding to certain states or centers for the transportation of these seeds, and therefore they take off the pressure from the countries who don't have the means or don't have the time to spend in all these logistic and bureaucratic hoops that they have to go over. However, for all it's worth, the Global Seed Vault is by no means perfect. And while relatives present another side of seed preservation that usually gets so noticed, as it is something that we are used to, it is not novel nor uses advanced technology. That is, I'm talking about the traditional and localized modes of doing agriculture.
Organic and traditional forms of seed conservation in agriculture are the other side Mana presents the viewer, which tune us into the lives of families at intervals during the film. In a scene that starts at minute 39:26, we are presented with a different ways in which Yusuf speaks of his dad's reluctance to give up his land, but reflects upon the hardships farmers have to face due to the low cost of crops because of importation. And in this same scene, we are seeing Yusuf's cousin who laments that some of his granddad's crops that he grew up with, his granddad, are no longer exist in his generation, his kid's generation. So the extinction of certain crops. But Walid, on the other hand, seems a bit more hopeful in the sense that the lands that he works in follow an organic principle which allows for seeds to change alongside the soil and adapt to new conditions. Walid also mentions that he's created networks alongside other farmers to look over the lands, and in what he calls his seed house, he keeps different seeds to plant and adapt them. But the process is, of course, much slower, and it doesn't yield as a lot more than, say, a GMO, or if it were done by cutting-edge technology. Therefore, what I wanted to point out in particular about wild relatives is that it allows for the differences between organic and industrial to be perceived, but it pays close attention to the farmers and the local, which then suggests that they have devised ways that continue to harness traditions while allowing for change to happen. Ultimately, it's important to recognize that the seed's frozen state in the global seed bowl promises that their genetic integrity is protected for years to come. But this very same condition prevents them from readily adapting to changing weather patterns that we are experiencing for years to come. Wild Relatives leaves off a gesture that asks of us to come to terms with the reality of changing climate patterns that affects us all and how to become better suited to face this, as these two distinct yet interrelated methods of agriculture and preservation could be intertwined to create a model that synthesizes the two. Thank you. Thank you, Anna. Patricia, for your presentation. And thank you, Anna, as well. So if I may, I would like to start this second part of our panel, which will be more discussion oriented, with a first question that I would like to ask to Anna. Anna, donc tu as débuté ta présentation en abordant, entre autres, à travers plusieurs propositions théoriques, l'esthétique de l'urgence telle que définie par Santiago Zabala, et donc une certaine approche aux arts visuels qui est davantage ancrée dans, comme tu le mentionnes, l'interprétation, l'intervention, plutôt que la contemplation, la beauté. Puis je me demandais, selon toi, qu'est-ce que c'est la pertinence d'opposer comme ça deux approches, en pensant notamment au fait que les artistes vont souvent avoir un travail qui est très ancré dans la matière, très orienté par exemple vers les phénomènes. Donc je me demandais un peu pour toi, qu'est-ce que c'est la pertinence de cette approche-là de l'esthétique de l'urgence? Oui, ben c'est-à-dire que justement comme le titre l'indique, c'est vraiment contrairement à d'autres approches écologiques en art comme on en voit vraiment beaucoup, celle de l'urgence vise vraiment à est vraiment axée sur la mobilisation et aussi vous remarquerez que d'une certaine manière j'ai parlé de mobilisation dans ma présentation sans parler de pratiques nécessairement activistes ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment plus ce qui est particulier de cette esthétique-là, c'est qu'elle est mobilisatrice parce qu'elle révèle et par la responsabilité aussi qu'elle insuffle aux spectateurs. C'est-à-dire que comme Zabala le mentionne, que en tant qu'être humain qui accueillons cet art-là, qui nous révèle des urgences,
on est des interprètes responsables qui doivent être prêts à participer à un projet qui prévaut sur tout le reste. Puis, mais ce qui est vraiment particulier à cette esthétique-là, c'est les stratégies qu'elle emploie, qui seraient plus optimales pour révéler cette urgence-là. Et aussi, on parle d'urgences très particulières, donc justement qui ne sont pas celles qu'on voit dans les médias ou qui sont les urgences quotidiennes. C'est un peu la différence aussi entre, justement, si on prend ces deux cas-là, entre le potentiel et le pouvoir des médias versus l'art, c'est-à-dire que les médias sont dans le temps quotidien, dans le temps court, l'urgence à court terme, alors que l'art vient révéler des urgences qui sont latentes et qui sont volontairement tenues sous silence en raison, comme l'explique Isabella, des cadres dans lesquels on se trouve. Puis aussi, ce qui est important des artistes de l'urgence, c'est justement cette idée qu'ils viennent agir en marge de ces cadres-là, parce que c'est justement là où se situe le potentiel de l'art, la raison pour laquelle l'art a ce potentiel unique, c'est que c'est probablement l'un des derniers, probablement comme un des rares, sinon le seul domaine, à se trouver en dehors des cadres qui nous contiennent. Mm-hmm. Et ça, c'est lié à la liberté de l'artiste. Faut comprendre aussi que dans l'idée de cette esthétique-là, la responsabilité est implicitement liée à la liberté. Un petit peu comme le soutien, entre autres des penseurs comme Gunther Anders ou Hans Jonas. Donc voilà. Puis c'est pour ça que c'est vraiment important que les artistes veillent à garder leur liberté en agissant dans les cadres et pas, entre autres, en tombant trop dans... par exemple, le militantisme politique ou quoi que ce soit, parce qu'à ce moment-là, il entre dans le cadre et il perd sa liberté. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Mais je tiens quand même à dire, parce qu'évidemment, le titre de ma présentation, c'est tout mon discours, il tourne autour de vraiment cette formule-là, qui est celle de l'esthétique de l'urgence climatique. Or, il y a personne dans les auteurs dont j'ai discuté qui parle explicitement de ce type d'esthétique-là. Donc, par exemple, dans le cas d'Abala, son livre porte pas sur l'urgence climatique, mais sur l'esthétique de l'urgence de manière générale, dont l'aspect environnemental est une des urgences fondamentales parmi d'autres qui sont révélées par l'art de l'urgence. Il y a toutes sortes de théories qui ont été avancées, mais pas tant par rapport à ce terme-là précis. C'est-à-dire, il y a une vaste littérature sur par exemple, Afesa qui a écrit sur l'esthétique environnementale ou les climate aesthetics, les ecological aesthetics, eco-aesthetics dans le cadre de Malcolm Miles que j'ai mentionné. On entend aussi des termes comme géoesthétique, éco-social art, esthétique verte, chez Loïc Fell. Puis aussi, d'autres esthétiques sont encore plus particulières, comme par exemple, dans leur intitulé, comme esthétique du capitalocène, du côté à Bourriaud, ou esthétique carbonée, pétroculture, du côté à Mathieu Dupérex. On entend aussi parler des emergency humanities, qui sont au-delà, disons, du syndrome des hommes et plus largement du côté des humanités, et qui partagent tout cet intérêt-là, qui est celle, qui sont articulées différemment, mais qui reviennent à celle de que l'art est un agent perturbateur. Justement, que les artistes se doivent d'être des agents perturbateurs. Parce que, encore une fois, pour reprendre les mots à Zabala, il représente les remains of being, ou en quelque sorte, c'est-à-dire les artistes, comme tous ceux qui souhaitent révéler les urgences et qui agissent en marge, constituent cette force-là. Je
pense que ce qui est important, c'est de saisir ce qu'implique la notion d'urgence dans cette utilisation-là précise. Mm-hmm. Puis est-ce que pour toi, il y a une connexion avec, entre autres, ce que décrit le psychologue Stockness, donc la psychologie qui nous empêche d'agir, donc l'esthétique de l'urgence viendrait comme un peu chambouler notre façon de concevoir les choses, puis nous amènerait à passer à l'action? Est-ce qu'il y a comme une connexion entre ces deux visions-là? Oui, absolument, puis c'est ça. Ça rejoint aussi un peu la pensée de Timothy Merton quand il disait que penser écologique, c'est bien au-delà du simple champ écologique. C'est vraiment une pensée multidisciplinaire. C'est une pensée qui est basée sur la coexistence entre différents modes de pensée. Puis dans cette optique-là, je pense que c'est aussi l'intérêt de ce que moi j'appelle l'esthétique d'urgence climatique. C'est-à-dire que c'est vraiment basé sur une approche transdisciplinaire, c'est-à-dire non seulement les arts visuels, mais aussi la philosophie, la psychologie, la communication. Tous ces domaines-là, à mon avis, sont absolument essentiels dans la façon dont on approche les enjeux de l'urgence climatique. Merci, Anna. Ben, peut-être j'aurais peut-être d'abord une question, moi, pour Patricia. Patricia, you spoke about the importance of soil in the film of Mana, and I was thinking, listening to your presentation and watching the film, I was thinking about, amongst different things, but about Donna Haraway's, when she talks about compost as, she's even saying that she's a compostist, that she's compost in a way, and how these different sort of interspecies alliances that we rely on and are part of are crucial in this era we're presently in. And I was sort of curious to hear you talking a bit more about soil and how it's used in the film by Mana. Does it become sort of a metaphor? And I was also thinking about the title, which is Wild Relatives. So I was sort of curious to hear you speak a bit more about that. Yeah, thank you. Those are good questions. I think that it's a metaphor in the sense that, yeah, there's a lot of attention being given and care given to the soil and the seeds and how the farmers and the women and girls that work in the fields are always in relating to it. In the touching, they're dancing on it, they're sharing it among their neighbors and their families. You know, we eat out of it, everything grows in it, and it's of course very important to try to sustain it. And this interspecies relationality, I think it's something that Mana tries to really hone in. I mean, she's, I think, you know, kind of neutral, or tries to be as neutral as possible, right? But you can still feel, and I don't know if it's just because it's people in the end of the day, and you just relate better to a face than a building, right? In the sense of, you know, these are people, they have lives and everything, right? So I feel that in that way, it's important to think about the people that are investing their time and energy into this, and how you can preserve that those modes, right, of living. I think she pays close attention to it, like in the camera work. I think I speak a little bit of like how she tethers us to it, right? And this is an attention that is given by really being on the ground, like being on the soil, that you see a lot of dirt in the film throughout, right? You see a lot of dust, you see a lot of feet and dirtied hands by the dirt and everything. And I think that's very important in that it really puts it as one of the, you know, key actors, you know, principal in the film, right? And I think that's very important to sort of remind us that, you know, whether we live, you know, in the city or whatever, and we of course rely heavily on technology, we're in the end bounded by the soil, right? And it's something that
we forget easily because everything is paved like here, right? But it's important to be reminded of that, which I think she really, puts forth in the film. Yes, and it's interesting to reflect on that artwork. And I was thinking of Anna's presentation as well, how Mana is, she's using a completely different approach, I think, even if she interprets and informs us, I think, quite well with her film. But at the same time, it feels like her approach mainly is to sort of touches us through beautiful images and the encounter with people. It feels like that's sort of what she's aiming at through the work somehow. Yeah, I think it's a contrast of this urgency and this sense of immediacy, right? That we have to react with climate change. And with Mana's film, I think on the other end of it, it really brings us down to earth, as it were, and it really slows us down. And I think that, at least for me personally, that tempo, that speed that the film works in really helped in sedimenting the importance of it, right? Like, I think it's in that slowing down that I think it's important, because it allowed me, at least personally, to think more about what this means and why is she paying so much attention to dirt, you know? Yeah, which is just a different way to look at it. Yeah. Thank you. Thank you. Je ne sais pas si Anna, tu as une question pour Patricia, or Patricia, if you have a question for Anna, maybe, because your presentations are sort of interesting in dialogue. Yeah. Je peux poser une question, mais une question qui est ouverte pour tout le monde qui souhaite participer, parce que, bon, évidemment, c'est une discussion, puis je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent, qui seraient certainement... intéressant à participer à la conversation. Je veux revenir sur un point apporté par Lucy Lippard, à savoir qu'elle remarque une distinction entre les œuvres descriptives et les œuvres prescriptives. Puis il y a un débat, on pourrait dire, comme il y en a beaucoup, mais entre autres sur cette idée-là que est-ce que l'art en particulier, bon, si on s'intéresse maintenant à l'art écologique, est-ce que l'art écologique devrait être prescriptif ou non? Mais comme moi, par exemple, à ce niveau-là, je pense qu'il y a moyen de nuancer ce qui est prescriptif, c'est-à-dire il y a moyen d'être prescriptif sans être moralisateur ou sans dire exactement quoi faire, mais il y a manière d'être prescriptif au sens où l'action n'est pas seulement proposée, mais est devenue obligatoire. C'est-à-dire que l'artiste ne dit pas comment, mais il motive à passer à l'action. Donc, c'est ça. Et à mon avis, là, j'ai mal exprimé ça, mais il y a une manière d'être prescriptif sans être moralisateur, et ça, c'est probablement l'approche optimale, on pourrait dire. Ça me fait penser, par exemple, à certaines critiques que j'ai lues qui ont été accordées sur un projet comme Anthropocène de Burtinsky, donc qui est absolument fascinant, un projet colossal et tout, mais qui a été critiqué entre autres pour sa spectacularisation de la désolation environnementale ou pour une certaine... c'est une certaine spectacularisation du sublime, écologique et tout ça. Donc, d'une part, mais aussi comment c'était des images tellement fortes et tellement accablantes. Puis là, si on parle de l'exposition, puis à la fin de l'exposition, ce qui aurait été souhaitable, c'est qu'à la fin de l'exposition, il y ait des mesures prescriptives, c'est-à-dire qui offrent des solutions ou des propositions d'action concrètes pour le public, mais ce n'était pas le cas. Puis c'est à ce moment-là que c'est un exemple où la peur a simplement paralysé le public au lieu de catalyser cette peur-là dans l'action. Donc, ça, c'est juste un exemple, mais c'est vraiment des critiques qui ont été adressées à ce projet-là qui, je veux dire,
qui a vraiment des qualités extraordinaires, puis entre autres, qui est multifacette, qui est immense, et puis entre autres, cette facette-là du programme d'éducation qui a été créé en parallèle, qui est extraordinaire. Mais ça reste des interrogations qu'on peut se poser. Donc, je ne sais pas si quelqu'un aimerait réagir à ça sur les œuvres écologiques prescriptives. Et moi, je ne voudrais pas nécessairement commenter sur le projet de Bertinsky, mais je pensais à une approche comme celle de Marie-Lou Emmons et Richard Guy qui ont réalisé un projet à la suite d'une résidence à la Fondation Grand Homme pour l'art et l'environnement, où les artistes ont passé un mois à explorer un peu la région qui est celle du centre du Québec, avec une agriculture très industrielle, orientée vers l'utilisation de produits chimiques, d'OGM et tout ça. Puis ils ont adopté une approche qui n'était pas du tout spectaculaire, mais qui passait par la performance, par une série d'actions qu'ils ont documentées par la photo, la vidéo, puis aussi par la création d'une installation qui reprenait toutes les formes de division du territoire qu'on a au Québec, là, les seigneuries, les cantons, puis ils ont fait des sculptures avec ça, comme on connaît, à partir de petits brins de matériaux grappillés, recyclés. Puis je trouve que ça, c'est un exemple qui peut-être qui irait dans le sens de ce que Lucy Leppard mentionne de la prescription, parce que leur approche est très précise. Donc, ils vont pas, c'est pas flou, ils vont nommer les lieux, ils vont nommer les produits chimiques, ils vont être extrêmement précis, mais je pense qu'il n'y a pas nécessairement la dimension morale, comme tu mentionnes, c'est ça, puis dans le sens que Lucy Leppard aussi en parle. Donc, ça devient vraiment quelque chose qui est performatif, qui interpelle, sans être spectaculaire. Puis moi, je le verrais comme peut-être un exemple d'approche comme ça, qui interpelle, puis qui nous incite à passer à l'action, à travailler la terre autrement, à développer un autre rapport au sol, aux plantes, un rapport qui n'est pas dans une dynamique de domination, en tout cas, juste un exemple. Oui, je vois, Bénédicte, probablement tu dois pourrais nous dire des choses sur le projet de Bertinsky. Oui, bonsoir Geneviève, bonsoir. Anna. Effectivement, le projet de Bertinsky est problématique parce que il manque de prescription. Il est très fermé. Finalement, c'est un objet fini qui est donné à expérimenter au public et finalement qui laisse un peu seul, une fois qu'on a fini l'exposition, un peu seul avec ses réflexions. Et d'ailleurs, la prescription que pouvait revendiquer Edouard Bertinsky dans cette exposition, c'était d'avoir acheté des arbres en compensation carbone. Et aujourd'hui, on sait que ce type de démarche, si elle est bienveillante, est une démarche qui est fortement insuffisante et qui même peut d'ailleurs se positionner en défaut par rapport à la question du changement climatique. Effectivement, Richard Hickey et Marie-Lou Lehmann sont des très très bons exemples parce qu'ils ont l'intelligence de ne pas finir l'exposition, ne pas la clore sur elle-même, mais d'offrir à l'expérience du public un objet que le public doit absolument compléter, dans lequel il doit s'inscrire pour le projeter finalement dans une sorte de réalité qui s'avère être prescriptive. Alors, je crois aussi que le point de vue est intéressant, et ça rejoint à ce moment-là Patricia, puisqu'on parle d'un point de vue qui est groundé depuis le sol, alors qu'Edward Bertinsky s'est quand même fait une spécialité d'images aériennes et qui ne sont plus tellement attachés à cette question du sol, à cette question de l'enracinement. Et aujourd'hui, on sait que les philosophes comme Émile Hache ou Bruno Latour sont martèlent un retour à la terre, un retour à un enracinement, à cause évidemment de la nature de l'anthropocène. Et c'est effectivement là où les deux communications ce soir se rejoignent, parce qu'effectivement, il y a ce même souci d'avoir un point de vue beaucoup plus humble, qui est celui du point de vue terrestre, et qui
permet finalement une certaine effectivité. Alors effectivement, après, Anna, j'aurais peut-être une question. C'est dans les outils esthétiques à convoquer, notamment pour analyser l'expérience, est-ce que les outils relatifs à l'efficience font partie de l'équation du prescriptif, parce que l'art écologique, par exemple, s'est heurté à cette question d'une évaluation par son efficience, notamment lorsqu'il était dans un rapport curatif. Alors, je me pose la question parce que c'est quelque chose qui tourne beaucoup autour du sujet environnemental, c'est la valeur de l'efficience, de l'efficacité, des effets, des bons effets, pour reprendre, pour faire un clin d'œil aux bons effets du gouvernement de Lorenzetti, de cette fameuse fresque de la Renaissance italienne, enfin de la pré-Renaissance italienne. Donc, les bons effets, comment est-ce qu'ils rentrent en ligne de compte? Ça a été souvent quelque chose un peu délicat à manier du côté de l'esthétique, justement, que cette valeur de la réussite d'un présupposé politique et environnemental. C'est sûr que c'est une question complexe, celle justement de la quantification. C'est-à-dire que les effets de l'art écologique sont bien évidemment très difficiles à quantifier, mais ça n'enlève rien à leur rôle essentiel dans principalement dans leur contribution à vraiment comme monter la volonté populaire à agir. Mais c'est sûr qu'à ce niveau-là, je pense que j'ai encore beaucoup de doutes par rapport à l'efficacité de l'art dans la possibilité d'avoir un impact directement politique. Je pense que le potentiel de l'art se joue vraiment dans le rapport avec le public. C'est vraiment via la mobilisation du public que ça se passe. Mais après, il y a aussi justement comme tout cet autre débat par rapport à la conscientisation versus la mobilisation. Puis il y a des artistes qui disent soit ça ne sert juste à rien de conscientiser, soit on n'est plus rendu là, maintenant on est rendu à la mobilisation. Puis il faut tout mettre les efforts dans des pratiques. Dans des pratiques participatives et relationnelles qui vont directement faire impliquer les spectateurs. Mais encore là, voilà, donc c'est comme les artistes qui disent « OK, maintenant, il est temps de passer à des approches prescriptives ou à des approches mobilisatrices. » Mais compte tenu qu'elles ne sont pas quantifiables ou difficilement quantifiables ou sur quelle base le faire, voilà, c'est un terrain qui est encore... À tracer. Ouais. Ouais, c'est un débat qui est là depuis longtemps aussi avec l'art politique, justement. Là, il y a plusieurs théoriciens qui se penchent sur ces questions-là depuis longtemps. Je pense entre autres à Jacques Rancière puis à l'idée du sensible. C'est intéressant comme réflexion. Je vais passer la parole à Tim qui avait une question. I have a question for Patricia. Last year, one of my colleagues, she specialized in ecofeminist art, and it was an introduction for me to this ideology. And it was something that I found myself thinking a lot about during your presentation. So I was wondering, you know, if this was something you had come across in your research on the video, in terms of, you know, like a connection between like the degradation of the earth and subjugation of women. And whether like you've thought about this connection or it was also something you read in the video as well. Yeah, that's a good point. You know, my only connection to land art and feminism is by way of Ana Mendieta, right? And in the film, the women that we see are young girls and women who are working in them. I didn't show parts of how they transport the women, but
Yeah, there is a subjugation, and it's interesting that you point to this in the sense that when they transport the women, they are carrying them in the back of pickup trucks and they count them. Like, I think they fit like maybe 13 women in the back of a pickup truck, and their boss, I guess, like, you know, they put them in a line and he's pointing at them right at the beginning of the shift and at the end of the shift, right? But when Jumana films them, they speak of like, yeah, like I like the work because I am with my friends here. Like I've known this girl since we were young in Syria, and then we moved here. And so we continue working together. So it's this interesting, you know, point of tension in how you perceive them when they're being, you know, put in the back of a truck and then like, you know, showing them being like put in a line and counting if they're there or if they're not. But then you see them dancing on the fields, right? And so it's this weird connection, but it is, I think, integral to the idea of soil and the feminine, right, of working with it and how the soil is also like a creator of life in the same way, like if you ascribe to that very essentialist view of womanhood, right, that could be relegated to it. So yes, like it's not super addressed in the film, like, but it is suggested. She does a lot of hinting, a lot of, you know, winks here and there, not super open about it, but it's there, it's in between the lines. And I think that's one of the strengths of her work, that she never like says, you know, this is good, this is bad, or this is that. It leaves it up to your interpretation. Super interesting. Thank you. Thank you, Patricia. Peut-être, moi, j'aurais une autre question pour Anna. On a parlé beaucoup de l'approche artistique dans ta présentation, mais tu as parlé aussi de la forme de l'exposition, entre autres. Ben, tu as donné plusieurs exemples d'expositions qui ont abordé des enjeux liés à l'Anthropocène, à la crise climatique et tout ça. Puis justement, je me disais, la forme de l'exposition, tu sais, quand on parle de l'esthétique de l'urgence, comme une forme qui, justement, permet de présenter des informations, d'être informative, d'être descriptive, qui peut aussi être très éclatée, qui peut comprendre des séminaires, exposer des œuvres, un peu comme l'ont fait Latour et Peter Webel. Dans l'exemple que tu donnes, je pense que c'était Reset Modernity, ou enfin, ils ont fait tout un cycle d'expositions qui se termine présentement, ben enfin, qui se poursuit présentement avec Critical Zones. Donc ça, je serais curieuse de t'entendre là-dessus, tu sais, sur la pratique de l'exposition, la pratique institutionnelle, la pratique commissariale, comme quelque chose de crucial, justement, dans cette lutte-là à la sensibilisation et au passage à l'action des publics. Oui, tout à fait. Ben, c'est ça, la majorité des exemples que j'ai donnés, ben, en effet, ça se trouvait à être des expositions d'art collectives, mm-hmm. pour lesquelles je me suis surtout intéressée au discours commissarial qui lui reflétait aussi les intérêts de l'esthétique de l'urgence climatique. Puis, je m'intéresse surtout au discours commissariat et aux expositions collectives parce que je pense que c'est vraiment là où on voit, justement, parce qu'on devrait peut-être pas le dire comme ça, mais les intérêts derrière l'idée et derrière les initiatives, la manière dont elles sont modelées, la manière dont elles sont emmenées, vers quoi tendre. Puis je pense que on est rendu à se poser ces questions-là, c'est-à-dire à se poser la question sur quel impact ça aura et comment le recevra le public. C'est vraiment, parce que c'est ça l'idée, finalement, comme pour moi, là, la question de l'art écologique en ce moment doit passer par les théories de la réception du public et tout, parce que c'est exactement là où se trouve le problème, à savoir le paradoxe de la psychologie du climat,
et qui freine, qui lie justement notre conscientisation croissante à notre inaction. C'est là où il faut tenter de trouver des solutions. Puis comme j'ai mentionné aussi dans ma présentation, malgré toute la diversité des initiatives en milieu muséal ou des galeries, en tout cas, à mon avis, ouais, les institutions artistiques, les institutions muséales de manière générale, sont devenues aujourd'hui trop souvent des chambres d'écho parce qu'elles s'adressent à des publics qui sont les plus conscientisés. Quand on observe les profils socio-économiques des gens qui fréquentent les institutions culturelles, ça corrobore aussi avec d'autres études qui montrent que voilà, il y a une convergence dans le fait que les gens qui fréquentent les institutions muséales sont plus alertes de l'urgence climatique. D'où la nécessité de miser encore davantage sur la sphère publique. C'est pour ça que j'ai tenu à présenter plusieurs initiatives dans la sphère publique, parce que selon moi, l'avenir de l'art écologique se joue là, dans la sphère publique. Oups, on dirait que ça coupe. On t'a perdu quelques secondes, Anna. Excusez-moi. Simplement, je disais, sur la question de la responsabilité, qui est une question très vaste aussi, il y a cette question-là à savoir, est-ce que, de manière générale, est-ce que l'artiste a une responsabilité? Mais on peut aussi poser la question, est-ce que l'artiste écologique ou celui qui aborde les questions écologiques a une responsabilité encore plus grande? Puis, et moi, par rapport à ça, je pense que, en quelque sorte, si ma présentation était un appel, c'est pas un appel aux artistes à produire de l'art parce qu'ils le font déjà. Les artistes, ils sont déjà des tonnes et des tonnes à produire ce qu'on pourrait appeler un art de l'esthétique de l'urgence. Donc, si ma présentation était perçue comme un appel, ce serait plutôt un appel justement aux institutions et aux commissaires d'exposition à présenter davantage cet art-là et à lui donner une plus grande place, pas seulement en surfant sur une certaine vague, une tendance à la mode en ce moment par rapport à l'écologie, mais vraiment par des engagements conséquents et à long terme. Puis ça me fait penser à... Il y a un critique qui, je trouve, dans un article, assez acerbe, qui faisait par rapport à une exposition, je n'aimerais pas l'exposition, mais je trouvais son article très, très, très intéressant parce qu'à l'intérieur, il résumait plusieurs critiques qu'on peut parfois avoir vis-à-vis des expositions environnementales, à savoir que, donc, ce qu'il disait dans son article, il disait « Les bouleversements climatiques ne sont pas un divertissement immersif et l'art ne devrait pas servir à signaler sa vertu. Hein? » Puis je pense que ça, c'est deux points, par exemple, qui montrent en effet qu'il est assez aisé aujourd'hui de distinguer les initiatives, disons les initiatives cohérentes et celles qui ne le sont pas. Et je pense que ça aussi, c'est vraiment important c'est important d'étudier ces affaires-là parce que le public ne recevra pas un message s'il sent une hypocrisie ou une approche paradoxale qui sous-tend ce message-là. C'est pour ça aussi que tous les efforts d'organismes comme Liberate, Art Not Oil, Platform, Oil Sponsorship Free, Art Not Oil Coalition, BP or Not BP, Scotland. Fait que ça présente toutes des initiatives, différents regroupements artistiques qui militent pour le financement propre des institutions muséales. Puis ça, c'est vraiment essentiel
parce qu'autrement, ben, de un, ces institutions-là ne sont pas libres parce qu'elles sont contenues dans les cadres financiers et tout ça, donc d'une part. Et d'autre part, vu leur position, elles sont inaptes à transmettre des messages cohérents relatifs à l'urgence climatique. Comme les actions de ces groupes-là sont vraiment à étudier aussi. Oui, c'est une vaste question. Là. Qu'est-ce que tu viens de soulever sur le financement, entre autres, les commanditaires, mais ça touche plusieurs domaines comme les universités aussi même. Là. Donc ça, c'est vrai que c'est une question quand même importante, mais oui, tout à fait. Puis je trouve que c'est intéressant ce que tu soulignes aussi par rapport à qui est rejoint par les expositions, le type de public, le profil démographique. Puis même, j'ai trouvé intéressant au début quand tu mentionnais le Natural History Museum de Londres, parce que ça, c'est des musées qui rejoignent énormément de gens, puis un public différent de celui des musées d'art, entre autres. Puis je trouvais intéressant, moi, toute la programmation qu'ils ont fait, c'était Birgit Arends, qui était là pendant plusieurs années, qui faisait des expositions d'art contemporain au musée d'histoire naturelle. Donc, des projets qui étaient à caractère écologique aussi, avec une sensibilité d'artiste qui s'adresse à des publics qui normalement ne vont pas nécessairement voir de l'art contemporain comme des jeunes, des touristes, vraiment un grand public très, très vaste. Donc ça peut être intéressant aussi d'avoir des institutions autres que des institutions artistiques pour développer des projets comme ça. En collaboration avec des artistes. Puis tout l'aspect aussi que tu as mentionné, l'aspect multidisciplinaire, je pense que c'est crucial. Puis justement, l'exposition, mais aussi on le voit dans les pratiques artistiques qui sont souvent de plus en plus multidisciplinaires, qui vont impliquer des scientifiques de différents disciplines. Mais aussi dans l'exposition, on peut aussi avoir cet aspect-là multidisciplinaire qui est intéressant. Justement, qui permet aussi de répondre à des enjeux comme ça qui sont très complexes, comme les changements climatiques, par exemple. Oui, oui, Anna? J'ai une autre question que je pourrais lancer au public. Donc, c'est une question qui concerne l'artivisme et l'activisme environnemental. Puis, toute cette question-là des liens entre l'art et la politique, qui sont justement comme particulièrement perçus comme essentiels de la part de certains dans la lutte climatique, alors que pour d'autres, c'est tout à fait à prescrire parce que en tissant des liens avec, par exemple, des groupes politiques ou des groupes environnementalistes militants, l'artiste perdrait sa liberté parce que justement, il n'agirait plus dans les marges qui lui sont si particulières. Donc c'est ça ma question dans le fond, c'est est-ce que les artistes écologiques devraient collaborer avec des mouvements militants écologiques comme par exemple on voit au Québec Extinction Rébellion ou d'autres comme ceux-là qui sont très actifs aussi dans les manifestations et tout. Donc voilà, il y a eu déjà plusieurs collaborations, par exemple, dans l'élaboration de pancartes, mais ça peut aller à beaucoup plus loin et beaucoup plus complexe aussi. Donc, dans ce maillage-là précis, art et militantisme écologique, est-ce que c'est un maillage qu'on devrait continuer à tisser ou au contraire? Oui, pardon, sans monopoliser, mais historiquement, l'art écologique s'est tenu loin des groupes environnementaux, environnementalistes et des partis politiques pour échapper en fait à une fonction de communication de l'art, pour échapper à un agenda politique trop contraignant et ne pas simplement servir de moyen de communication. Bien que certains artistes le souhaitaient, Joseph Beuys, c'est notoire, s'était rapproché de Greenpeace et il leur avait proposé de travailler pour eux et Greenpeace avait refusé.
Parce que là, Joseph Beuys était un électron libre un peu difficile à manier lorsqu'on a des agendas politiques, politiciennes. Aujourd'hui, on voit, par exemple, je pense à un photographe britannique qui s'appelle Gideon Mandel, qui a exposé, dans le cadre du prix Pictet, une série sur les grandes inondations. Sur plusieurs années, et qui a prêté ses images pour Extinction Rebellion à Londres et à Bruxelles notamment. Et ces images ont servi de pancarte lors des manifestations. Ça, c'est un cas plutôt rare parce que généralement, la photographie, qui est un moyen de communication et qui donc parfois souffre des travers de la médiatisation environnementale, là, tout d'un coup, se retrouve en première position pour participer à des marches actives. Et ça, c'était plutôt surprenant, parce que d'habitude, ce n'est pas vraiment le cas. Après, des collaborations entre Greenpeace et des artistes, il en existe. C'est pas toujours ce qu'il y a de plus réussi, il faut malheureusement le dire. C'est assez compliqué parce que les artistes tiennent effectivement à leur liberté et lorsque l'on est vraiment dans une communication très très normée, qui est la communication politique, là c'est effectivement un peu moins compatible. Mais aujourd'hui, des solutions commencent à se dessiner et c'est plutôt intéressant de voir cette modification-là. Mais justement, à cet effet, je pense à, bon, pour à Clément Gauja qui a participé, qui a œuvré à la fois avec un parti politique et plus récemment avec... Et plus récemment dans la lutte environnementale et tout, et dans tous les cas, ça a donné vraiment lieu à des rencontres très fructueuses. Mais ça, je pense aussi à d'autres artistes, comme par exemple Kenneth Phillips, donc qui produit, ben, de ce que je comprends, qui produit vraiment son art comme dans le but qu'il soit récupéré le plus possible dans la sphère. De l'Internet, qui soit récupéré et le plus accessible et réapproprié par le public. Mais souvent, quand on souhaite qu'il soit réapproprié par le public, ben, il se trouve aussi à pouvoir être réapproprié par n'importe quel groupe militant ou engagé pour des causes particulières. Puis ça, c'est hors de la portée de l'artiste aussi. Donc, ça rejoint un peu cette idée que finalement que l'artiste met au monde une œuvre qui lui appartient plus après. Les artistes qui produisent une imagerie pour qu'elle soit récupérée n'ont pas le pouvoir de contrôler cette récupération. Ouais, je trouve ça intéressant. Puis aussi, moi, une chose que je me dis, c'est, tu sais, surtout si on parle de qu'est-ce qu'on devrait avoir, qu'est-ce qu'on devrait voir comme œuvre, qu'est-ce que les artistes devraient produire, je pense qu'il va toujours y avoir une pluralité d'approches, puis c'est tant mieux. Tu sais, je pense que selon la sensibilité de chacun, chacune, les enjeux qui touchent les artistes, j'ai l'impression que c'est vital que les pratiques soient variées, puis je pense qu'on a besoin aussi en tant que public de voir différents types d'œuvres, différentes approches artistiques, différentes démarches, puis sensibilités, comme on le voyait avec le travail de Yumana Mana. Son film n'est pas militant, donc l'approche que décrit Patricia, c'est tout en nuances, puis je pense que ça a la capacité de rejoindre beaucoup de gens puis de toucher à travers justement un travail cinématographique. Donc j'ai l'impression que peut-être on a besoin de toutes ces approches-là pour avancer probablement. Oui, puis je suis absolument d'accord avec ça, mais je pense que l'idée, c'est vraiment qu'en particulier quand on parle de l'art écologique, il y a une grande importance à accorder au contexte, à la contextualisation, comme on a dit tantôt, que l'art écologique doit contextualiser les graves images qu'elle nous présente, comme dans le cas de Burtinsky tantôt, mais aussi le contexte de présentation ou le contexte plus élargi justement de réception de ces œuvres.
Bon, je prends un cas particulier, le cas de l'exposition Climat artificiel présentée à la Fondation EDF en 2015 dans le cadre de Art COP21, puis donc en marge de la COP21 qui se tenait à Paris à ce moment-là. Puis ça, pour moi, sans rien enlever du tout, parce que je corrobore tout à fait avec vous, au sens où toutes les pratiques nécessaires et toutes les pratiques apportent des points de vue qui sont essentiels. Mais c'est une question de contexte dans le sens où, dans ce contexte-là, à mon avis, qui avait un potentiel éminemment politique du fait que c'était présenté en marge de la COP21, à mon avis, c'était une occasion tout à fait manquée parce que l'exposition elle-même se présentait comme... Elle ne voulait absolument pas tomber dans un réalisme ou un pessimisme, qu'elle se voulait comme volontairement optimiste et que finalement, elle a contourné, elle a comme... Ben, pas contourné, mais elle a pris la décision de ne pas aborder de front les enjeux et au contraire, d'aborder la crise climatique de manière poétique. Alors, j'ai aucun problème avec ça, mais dans ce contexte-là précis, à mon avis, ça se trouvait être une occasion manquée. Pourquoi l'esthétique de l'urgence climatique insistant sur tel et tel aspect? Ben, dans un contexte comme celui-là, une exposition relevant de l'esthétique de l'urgence climatique aurait, à mon avis, été beaucoup plus à propos. Oui, sauf qu'il faut préciser une petite chose sur le commanditaire de cette exposition, qui est une société de production d'électricité à 95% issue du nucléaire. Et que cette société EDF, avec son espace d'exposition, effectue une opération de communication et rejette les projets qui sont trop sombres et qui peuvent renvoyer à une image un peu négative des questions climatiques. EDF cherche à se positionner comme une entreprise environnementalement recommandable, bien qu'elle soit basée sur le nucléaire. Donc, pour avoir exposé chez EDF moi-même, comme commissaire, je suis tout à fait au courant de leur politique curatoriale et aux veto qui sont mis sur les projets qui sont trop politiques. Donc, ils font littéralement partie de l'équipe commissariale, pratiquement, ouais. C'est ça, ils sont très clairs lorsqu'ils passent leurs commandes. Et là, dans le cadre de la COP21, je ne doute pas que la communication devait être positive et s'accrocher en tout cas davantage à des notions d'espoir plutôt que d'exposer des situations qui auraient pu sembler désespérées et désespérantes. So maybe we could conclude this panel. Thank you, everyone, for your participation. Thank you both, Anna and Patricia, again, for your wonderful presentations. Alors, je vais prendre la parole au nom de l'équipe d'Hypothèse. Ben, d'abord, merci beaucoup. Vraiment, c'était une belle soirée avec deux très riches présentations, très intéressantes. Donc, merci beaucoup à Anna Brunette et Patricia Perez-Rabello et également à Geneviève Chevalier pour la modération. On aimerait aussi remercier le public une nouvelle fois pour une belle présence, une belle participation. Et finalement, on aimerait vous rappeler qu'on a le podcast annexe pour lequel on a fait l'appel à participation et qu'on a prolongé jusqu'au 15 janvier. Donc, vous pouvez aller voir sur notre page Facebook ou sur notre site web pour y participer jusqu'au 15 janvier. Donc, encore 2 jours pour nous envoyer vos appels à vos propositions plutôt. Donc, merci beaucoup et je vais passer la parole à Tim. Ah oui, donc je veux juste ajouter à n'hésiter à pas nous suivre sur nos réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook et Insta et puis aussi notre site web conférencehypothèse.com. Donc nous vous retrouverons le prochain panel le 10 février intitulé Interiority and Subjectivity, décloisonner les espaces genres du 20e siècle. Donc à très vite. Bonne soirée. Merci tout le monde. Bonne soirée, merci.